Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un format un petit peu particulier parce que je vais préciser un petit peu les règles de trading que je m'applique et qui pourront peut-être vous aider. Mais avant toute chose, les news et un message personnel. Un gros câlin, une grosse bise à Christelle, une tradosaurienne géniale qui passe un moment un petit peu difficile, qui va se faire opérer lundi. Donc complètement hors sujet, mais je tenais vraiment à faire une petite bise et te dire que tous ceux qui t'apprécient pensent à toi. Allez, courage Christelle. On passe donc aux news qui se sont avérées du même calibre que les précédentes, à savoir que on attend toujours une bonne raison de monter. Les craintes se sont dissipées un petit peu par rapport à Omicron, mais les chiffres de l'inflation qui vont être divulgués demain aux États-Unis risquent d'avoir beaucoup d'importance. D'ailleurs, un élément assez intéressant dont on connaît maintenant la véracité, ça concerne cette bougie assez exceptionnelle qui a pris tout le monde au dépourvu, hein, cette énorme bougie de 3% et qui fait écho en fait à la progression qu'il y a eu aux États-Unis. Eh bien, c'est un article, hein, qui nous vient de Zero Hedge. Et l'idée surtout, c'est que en fait, ça a été une énorme chasse au stop ici, hein, avec des chiffres qui sont complètement circonstanciés. En fait, on voit très bien qui a racheté, hein, ce sont essentiellement les institutionnels, les hedge funds qui ont été obligés de racheter leur position short parce que tout le monde envisageait que ça irait plus bas et tout le monde était positionné à la baisse. Et il y a eu une contre-attaque qui a provoqué une hausse massive ici. Vous vous souvenez, hein, j'avais prévu qu'on aille ici, on n'est pas allé ici, bah forcément on a pris 3%. Mais voilà, il y a eu du règlement de compte entre institutionnels. Et le fait que le Nasdaq ait abandonné 1,5% aujourd'hui, alors que le CAC 40 était déjà fermé, amène à considérer que les choses risquent de revenir au format initial, à savoir suite au short squeeze, suite au fait qu'on ait forcé les vendeurs à découvert à se racheter, eh bien, il risque d'y avoir du mouvement, surtout si les chiffres de l'inflation américaine ne sont pas bons. Donc voilà qui explique beaucoup de choses. Troisième chose, donc au niveau de l'analyse chartiste, bon c'est clair, on avait une résistance ici, elle était visible de tous les analyses techniques et on voit qu'elle est effectivement mise à profit, hein, par les traders baissiers pour donner de la voix. Et d'autant, on l'a déjà dit, qu'en deuxième rideau défensif, il y a une résistance hebdomadaire ici, hein, 7172, 7071,82, qui doit vraiment inquiéter parce que passer au-dessus de ce niveau signifierait faire plus que les records annuels atteints il y a à peu près un mois, sans aucune raison, alors qu'on était déjà à quasiment 30%. Là, on est à 26%. Si on arrive à dépasser ça, on serait quasiment à 30%. Y a-t-il une raison légitime qui nous pousserait maintenant à aller plus haut qu'il y a un mois, alors qu'il y a les doutes que l'on connaît? Et c'est pour ça, encore une fois, que on ne sait pas ce qui va se passer. Et si on considère qu'on a une chance sur deux d'avoir raison, on est quand même sur une zone super intéressante que tous les traders ne peuvent pas ignorer. Hein. Donc, ce qui nous amène au chandelier japonais du jour. Alors, regardez le chandelier japonais du jour. Hein, c'est un harami baissier confirmé. Ça s'appelle un three inside down, c'est-à-dire harami baissier avec une bougie rouge derrière, avec une baisse. Okay? Et ça, c'est un signal baissier. Donc, attention, hein, les choses se mettent en place. Alors, ça ne se voit pas encore au niveau de l'Aikinashi, qui est toujours une bougie quasiment, enfin, ouais, plutôt haussière. Le corps n'est pas très, très grand, mais il n'y a pas de mèche basse. Hein. Donc, c'est à prendre en considération, tout en sachant pour ceux qui veulent acheter qu'il y a des éléments intéressants à prendre en considération au niveau des bougies, notamment avec le 3 line break. Je vous rappelle qu'on a eu un bloc vert ici et qu'on a rarement un seul bloc vert. Donc voilà, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Je rappelle aux débutants qui découvriraient mon format et que s'ils diraient que je dis tout et ton son contraire, je suis simplement en train de vous dire que vous soyez à la hausse ou à la baisse, il y a de bonnes raisons de le faire. Contentez-vous de construire votre trade intelligemment et ça devrait sur le long terme se passer bien pour vous. Regardez également comment on se rapproche du gap. Hein. S'il s'agit d'un gap de continuation, gap de rupture, le minimum c'est d'aller chercher ici. Hein. Donc plus on se rapproche de cette zone, plus ça doit vous intéresser, hein, notamment pour acheter si vous êtes plutôt aussi. Parce que bon, pareil, hein, si les chiffres de l'inflation sont extrêmement rassurants, on risque de faire sauter le verrou. Hein, et on a toute la journée de vendredi pour prendre une décision.
Alors, on a également bien sûr la moyenne mobile à 7 jours qui est toujours pour l'instant haussière, la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est maintenant plate, enfin non, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. Les PRT bands n'ont toujours pas donné le signe de retournement tendance haussière, c'est toujours rouge. Les bandes de Bollinger se mettent en parallèle horizontal, ça veut dire que ça se neutralise. Et regardez le super trend, et là aussi, et le SAR, n'oublie pas qu'ils ont été cassés, hein, à la hausse, c'était sur la même bougie d'impulsion haussière. Là, normalement, on est censé clôturer au-dessus avant de casser le SAR et le super trend à la baisse. Okay, tout ça, ce sont des statistiques, et je suis désolé de me répéter pour les anciens, mais ça veut simplement dire, si vous êtes débutant, que vous ne serez pas ridicule si vous achetez, vous ne serez pas ridicule si vous vendez, par contre, vous serez ridicule si vous le faites n'importe comment. Et on termine donc, bon, au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien, hein, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps là-dessus, enfin rien de neuf. Et on termine avec l'Ishimoku qui délivre lui aussi un signe de plutôt de neutralité. On l'a dit, on le répète, mais l'idée c'est que vous avez le nuage qui se met maintenant à l'horizontale. Alors c'est pas, on n'a pas eu de signal de fin de hausse puisqu'on n'a pas eu de twist, mais bon, le nuage à l'horizontale, c'est que la tendance de fond est vraiment de plus en plus neutre. On est en haut de la Kijun et la Tenkan n'ont pas de direction claire, c'est plutôt erratique, voire horizontale. Donc c'est tendance immédiate et tendance générale plutôt neutre. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Et en guise de trade du jour, bon, je vais faire rapide cela parce que je voudrais vous parler d'autre chose. Mais bon, clairement, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un très bon point d'entrée. Si vous pariez sur le fait qu'on va retourner, pourquoi pas combler le gap, voir sur le support journalier, voir sur le bas de canal, vous avez des très bons points d'entrée. Vous rentrez un petit peu maintenant, vous rentrez un petit peu là, au cas où on remonterait, vous mettez un stop très très large au-dessus, vous avez un excellent ratio gain-risque. Je suis désolé, je vais vite, si vous débutez, regardez les vidéos d'hier et d'avant-hier, c'est mieux expliqué. Si vous êtes haussier, c'est un peu tôt, attendez que ça baisse un petit peu peut-être. L'idée, c'est d'avoir un bon ratio gain-risque quand même, donc achetez peut-être, je sais pas, imaginons qu'on utilise le gap comme juge de paix, acheter un petit peu ici. Si jamais on casse le gap, ça devrait accélérer à la baisse puisque ça voudrait dire que ce n'est pas un gap de continuation qu'il a été invalidé. On pourrait envisager d'acheter 50% de la position par là et l'un dans l'autre, vous avez un très bon ratio gain-risque en mettant un stop loss plus ou moins large. Alors bien sûr, idéalement, il faudrait le mettre au moins sous le support hebdomadaire, je pense. Si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait rentrer en trois fois avec une fois ici, une fois là et une fois là. Bon, il ne faudrait pas forcément investir à 100%, mais pour que le ratio gain-risque soit correct. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. On va descendre sur les données 1 heure. Okay? Alors ça, c'est ma matrice de trading que je vous propose tous les jours sur mon site. Regardez, je vous le montre. Voilà, quand vous arrivez sur mon site et que vous prenez l'article du CAC 40 du jour, vous avez exactement la même analyse, sauf que bon, il y a quelques graphes pour cerner les choses. Et à la fin, vous avez les matrices de trading. Et ça fonctionne pas trop mal, hein. Généralement, vous voyez, on va dire que ça fonctionne pas toujours, rien ne fonctionne toujours, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, on va dire. Le tout, c'est d'avoir les bons outils et la bonne méthode. Donc, imaginons, par exemple, là, on est en données horaires. Hein. Comme vous pouvez le voir, ce graphe montre qu'il y a une résistance ici qui fonctionne bien. Imaginons par exemple que vous vouliez acheter sur le support 6880-6901. Ce que vous pouvez faire, vous utilisez l'ATR, hein, qui est un des outils que j'affectionne beaucoup. L'ATR va vous donner une valeur, ça tient compte de la volatilité des dernières bougies, des X dernières bougies, et vous allez pouvoir utiliser cette ATR comme votre stop loss. Donc je vais simplement vous montrer ici comment je ferais si je devais l'utiliser. Imaginons qu'on arrive sur la zone qui m'intéresse ici à 6933. Ok, vous pouvez prendre un ATR ici. L'ATR, il est à peu près 24. Ok, alors on peut mettre un stop loss à 1 ou 2 ATR. On va prendre un exemple à 2 ATR pour se donner plus de marge de manœuvre. Donc imaginons que l'on achète ici, c'est à 6930. Prendre un stop loss à 2 ATR, ça veut dire que vous allez mettre votre stop loss deux fois la valeur de l'ATR au moment où vous allez acheter, 2 fois 24. Ça vous donnerait donc 6882 en stop loss, en stop de protection. 6882, ça vous amène ici. Alors, bon, c'est un petit peu gênant parce qu'on est,
on est vraiment au contact du support, il serait peut-être envisageable du coup d'attendre qu'on s'enfonce un petit peu pour que deux fois deux ATR, ça vous amène plus bas par ici. Comme ça, vous êtes protégé par le support quand même. Maintenant, imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse alors qu'on rebondit pour une raison ou une autre en pensant qu'on est sur une résistance. Vous attendez que ça monte un petit peu par là. Imaginons que vous entriez. Vous pouvez utiliser d'autres outils. Hein. Tous les outils que je vous ai enseignés, si vous débutez, sont applicables. Ça peut être les indicateurs techniques, ça peut être les chandelles japonais, ça peut être n'importe quoi. Imaginons que vous rentriez pour une raison ou une autre à 7056. Si vous mettez un stop loss, on va dire à 1 ATR, cette fois 7056, donc vous ajoutez la valeur de l'ATR au moment où on sera là, imaginons que ce soit 24, ça vous fait un stop à 7080. Non, c'est pas très intelligent parce qu'on serait toujours dans la résistance, peut-être 2 ATR, ça vous donnerait quelque chose par là. Voilà comment je travaille souvent pour mon trading intraday, et si j'en parle, c'est parce que vous pouvez utiliser naturellement des outils adaptés. Et ces outils adaptés sont pour moi soit les CFD d'IG, soit les Turbo 24 d'IG, les deux fonctionnent très très bien. L'avantage des CFD, c'est que c'est très facile, vous avez l'habitude. L'avantage des Turbo 24, c'est que vous n'avez pas de stop loss. Vous n'êtes pas stop lossé si les marchés sont déclenchés pendant que les marchés sont fermés. Et également, ce sont des produits, sont pas des produits maison, ce sont des produits cotés. Hein. Donc, Turbo 24, c'est bien mieux que les turbos. Bref, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur le site avec plein de vidéos pour vous apprendre à le faire. Pensez à passer par ma bannière, ça serait sympa parce que comme ça, comme j'ai un partenariat avec IG, pardon, bah, enfin, forcément, c'est bon pour moi. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, c'en est terminé de l'analyse du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à découvrir régulièrement, si vous le désirez, donc les matrices hein, de trading intraday qui sont franchement, je pense, une aide intéressante au trading de très très court terme. Je vous souhaite une excellente journée. Vous trouverez le lien pour aller sur IG en dessous de la vidéo pour arriver directement sur la page qui vous intéresse. Je vous souhaite donc une très bonne journée. À tout de suite pour une autre analyse technique, mais cette fois-ci, action.